Bonsoir à tous. Alors, je vous avoue que la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je suis absolument ravi de voir une salle pleine pour un lancement de campagne. Je crois que j'ai jamais vu ça dans l'Entre-deux-Mers. Non, c'est vraiment génial, avec une telle diversité de paroles. Bravo d'avoir montré à quel point la mobilisation est certes politique, mais elle est sociale, on vient de l'entendre aussi avec le dernier intervenant, parce que c'est exactement ça, le Front populaire. Et moi, j'ai plaisir à entendre ce retour aux fondamentaux, les fondamentaux d'une gauche démocratique, sociale, effectivement, qui est évidemment devenue écologique aujourd'hui. Le retour aux fondamentaux, le Front populaire, était déjà une mobilisation politique et sociale. Stéphane le disait bien tout à l'heure. Quand nous serons au pouvoir, quand vous serez élus, nous serons sur le terrain pour être sûr que vous mettiez en application ce qu'on a décidé à la base. C'est l'enjeu majeur et c'est comme ça qu'on va avancer tout au long de cette campagne pour essayer de convaincre le plus grand nombre. Pour commencer, je dois dire un mot quand même sur Lionel et Mathilde parce que je les connais depuis très très longtemps. Deux personnalités qui sont de belles personnes, engagées, déterminées depuis toujours, expérimentées. C'est aussi quelque chose d'important parce que quand on arrive à l'Assemblée nationale, on arrive dans un lieu où les choses sont complexes. Il va falloir batailler et on sait à quel point l'Assemblée telle qu'elle se présente peut-être sera très très compliquée. Donc il faudra batailler argument par argument pour essayer de l'emporter. Et il faut des gens qui tiennent bon. Et je sais, Mathilde, que tu tiendras bon du début à la fin. Soutenu par Lionel, soutenu par nous tous, on fera en sorte qu'il y ait une assemblée parlementaire qui accompagne ton travail au fur et à mesure, comme on l'avait dit déjà en 2022. Et comme on l'a fait, absolument. En dépit du résultat, on l'a fait quand même. Une autre qualité sur laquelle je vais insister un peu, parce qu'elle est importante aussi pour moi dans ma situation de maire aujourd'hui, c'est que vous êtes soit ancien élu, soit élu. Et c'est ton cas, Mathilde, comme adjointe au maire de Créon. Pourquoi c'est un élément important aujourd'hui ? Parce que les mairies sont le service public de proximité du quotidien pour tout le monde. Et elles sont mises en difficulté partout dans le pays. Évidemment, Macron a accentué les choses, nous met en grande difficulté au quotidien. Les dotations baissent, et donc quand les dotations baissent, c'est le service public qui diminue au quotidien. Je vais donner un exemple pour continuer sur ce qu'a dit le représentant du collège. Prenons l'exemple de nos écoles au quotidien. Vous faites le tour de la circonscription, vous allez voir toutes les écoles dont certaines classes sont en train de fermer. Il y en a partout en milieu rural, il y en a partout. Autour de Sauveterre, vous avez Morens, vous avez Soussac, Saint-Ferme, vous en avez partout. Alors, évidemment, l'État a cette manière de faire très comptable, très quantitativiste, qui consiste à dire, l'année avant la fermeture, on vous met en mesure de sauvegarde. Mesure de sauvegarde, ça paraît un joli mot. On va vous aider. Non, non, mesure de sauvegarde, ça veut dire que vous allez manger l'année prochaine. Et donc, moi, j'attire l'attention première, évidemment, sur ce qui est notre enjeu. On a un professeur des écoles, instituteur avec Lionel. L'éducation, c'est le second degré, c'est aussi le premier degré qui est particulièrement en difficulté aujourd'hui, partout sur la circonscription, partout en Gironde. Il manque des enseignants. On refuse, chaque fois qu'une classe est autour de 20 élèves, on nous explique que non, c'est pas possible, il faut plus d'élèves, et donc on se retrouve à des classes à 30, à 35. Tout ça est insupportable. Il faut se battre au quotidien. Évidemment, la bagarre se fait au fur et à mesure dans le rapport de force sur ces enjeux-là, comme sur le reste. Mais malgré tout, on vient, les deux élus qui sont là de Sauveterre pourront le confirmer, on vient nous aussi à Sauveterre d'avoir une mesure de sauvegarde cette année. Et donc il va falloir batailler toute l'année pour éviter qu'une de nos classes de maternelle ferme. C'est ça la réalité de la vie des élus au quotidien, c'est se battre pour que le service public soit maintenu dans la meilleure des qualités possibles pour nos concitoyens. Et c'est extrêmement difficile au quotidien et Macron fait tout pour que ce soit de plus en plus difficile. Donc, je tenais à le dire, on a besoin aussi
d'un député qui connaisse la réalité du terrain dans le détail. C'est extrêmement important, les députés Macron ne connaissent rien à la réalité du terrain. Ne parlons même pas des potentiels députés RN qui viennent je ne sais pas d'où. D'ailleurs, je pense qu'on ne connaîtra pas le candidat qui arrivera sur ce secteur. Donc il y a un enjeu majeur à un attachement au terrain, à une continuité permanente entre Paris et la circonscription, et ça on va y travailler très fortement. Le deuxième élément que je voulais mettre en valeur, c'est l'unité. Stéphane est parti, mais ça fait des années qu'on se bat pour l'unité. C'est compliqué, l'unité c'est difficile, tu sais ce qu'il en est toi aussi Mathilde. Et ben, je crois que c'est le plus beau des combats pour lequel il faut continuer à se battre. Parce que le Front populaire, c'est l'unité des démocrates, de ceux qui n'ont pas renoncé à se battre contre les inégalités sociales, de ceux qui n'ont pas renoncé à ce beau mot de République aussi. On parlait de ces mots qui sont fantômes de nos mairies ou de nos écoles. Ben, moi, je pense qu'il faut le rappeler sans cesse, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ben, s'il n'y a pas de programme solidaire qui permette de le mettre en place au niveau national par des lois qui sont des lois solidaires, ben, on n'y arrive pas. C'est de la fausse liberté, de la fausse égalité et une fraternité qui s'effrite au quotidien. Donc l'unité, on se bat pour ça depuis des années, elle y est enfin. Et au visage ami que je vois dans la salle, je sais qu'elle s'élargit et je suis sûr qu'elle va devenir majoritaire, c'est le troisième élément. On est dans la 5e République, on n'est pas encore dans la 6e, il faut le rappeler à tout le monde. Dans la 5e République, on fait des majorités, on construit des majorités, progressivement, peu à peu. C'est ça qu'on veut faire ici ce soir, c'est ça qu'on va faire dans toutes les circonscriptions de France, dans les 577, pour à la fin gouverner ce pays. Et gouverner avec tous ceux qui n'ont pas renoncé à avoir un gouvernement basé sur ces valeurs dont on parle ici, les valeurs de la démocratie, les valeurs du triptyque républicain, celles qui vont nous permettre d'avancer pour la suite et surtout pour une vie digne pour tous. Parce que la difficulté majeure aujourd'hui de nos concitoyens, on le voit en mairie tous les jours, c'est d'arriver à vivre, d'arriver à manger, d'arriver à se loger, d'arriver à aller dans une école qu'on maintienne, comme on le disait à l'instant. Donc c'est ça l'enjeu majeur, arriver à vivre dignement. Et je sais que vous allez combattre pour une vie digne pour tous. Et je sais que le futur gouvernement sera un gouvernement pour la vie digne pour tous. Merci.